une histoire insolite, incroyable, mais pourtant vraie, pas drôle, hein, puisque c'est une jeune Britannique de 19 ans et qui souffre d'une maladie extrêmement rare. C'est-à-dire que sa maladie lui fait perdre la mémoire toutes les 24 heures. Elle va se coucher, elle se réveille le matin. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait la veille, elle ne sait pas si elle a mangé, elle ne sait pas si elle a rencontré les gens, elle ne sait pas qui elle a vu. Elle perd la mémoire toutes les 24 heures. Terrible. Alors elle vit des trucs, évidemment, terribles, puisqu'elle avait rompu avec son petit copain. Donc elle se réveille tous les jours en croyant qu'ils sont toujours ensemble. Donc elle vit une rupture par jour, par exemple. Terrible, hein ? Il paraît que c'est une maladie extrêmement rare, qu'il n'y en aurait que 250 cas dans le monde. Et je pense qu'on en a pas mal en France. Ah bah si, et dans le milieu politique, nos ministres, oh bah souvent ils perdent la mémoire. Les présidents de la République, tous les 5 ans, ils perdent la mémoire. Ah, puis il doit y avoir des périodes de crise, hein, des montées, des... je sais pas. Parce qu'en ce moment, par exemple, regardez nos politiques, nos candidats aux élections présidentielles, ils ont tous perdu la mémoire. Hein. Ils se rappellent plus ce qu'ils ont fait avant. Terrible maladie. Hein.